Un verre, mademoiselle? Non? Elle veut pas prendre un petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. C'est sûr? Bah oui. Elle veut bien prendre une petite suze, non? Non, non, ça va aller, merci. Oh, bah, elle a l'air en colère, mademoiselle, hein? Ah, ça va, arrête, Denis. Tu fais la tête? Pas du tout. Ah, tu fais pas la tête, là? Non. Ah oui. Non, je fais pas la tête du tout. Donc tu es contente alors? Oui. Ah. Oui, oui, j'ai plutôt de bonnes raisons d'être contente. J'ai envoyé chier mon patron. Ça fait longtemps que j'en ai envie, alors. Ouais. Je suis très contente. J'ai ça, Benito? Benito en personne. Comment ça? Et ton frère était là? Ah non, c'est con, il a raté ça, c'est dommage. Ah. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Ah, évidemment. T'es sûr? Bah évidemment, il n'attendait que ça. C'est Philippe qui se tape sur tout Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère. Oui. Bah, Henri aussi, c'est ton frère. Hein. C'est pas pareil, hein? Ouais. J'ai plus d'affinité avec Philippe et puis travaille ensemble. On ne fait pas se voir mercredi? Mercredi? On ne devait pas s'appeler plutôt? Ah non, non, non. C'est toi qui peux appeler? Moi? Comment moi? J'ai dit que j'appellerais mercredi, tu es sûr? Arrête, je t'en prie. Bon alors ça. Bah, si j'ai dit que j'appellerais mercredi, bah je me souviens plus, hein. Bon écoute, je m'en souviens plus non plus, voilà. Ah, ça me déprime cette conversation. Bah, t'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point-là? Bon bah, je sais pas, alors bah c'est bizarre, j'ai dû oublier, puis voilà. Ouais, pas si bizarre que ça, hein. Ça arrive une fois sur deux. Bah pourquoi t'as pas appelé toi? Bon, Denis, on va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine, hein. On va arrêter de se voir et puis c'est tout. On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose. Ça sera clair, au moins. Cette relation merdeuse. C'est une image. Oui, bah là, c'est une image forte, hein, quand même. Hein. Cette relation à la con, si tu préfères. Ouais, bah, dans le fond, je préfère, oui. Bon, fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Comme d'habitude. Enfin, je comprends pas, moi. On s'était rien promis. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Quoi, qu'est-ce que tu veux que j'attende? Je n'attends rien, hein, je te demande rien, hein, je te demande pas de te marier. Je suis comme toi, hein. J'ai ma vie, tu sais. Je te demande d'appeler quand tu dis que tu appelles. Ça va, Denis? C'est pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Hein? Oui, oui, bah... Ouais, bah ils sont propres, tu peux attaquer le reste si tu veux. T'es là depuis longtemps, toi? Une minute, un quart d'heure. Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Il faut patienter, j'arrive. J'arrive. Je me préparais là-haut, là. J'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était maman. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, hein. Tu as exactement la voix de maman, toi, de loin. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Là. Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette? Arlette, elle est là-haut? Eh ben non, elle est pas là, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fout encore, celle-là. Il va être 8h moins le quart si ça continue. Et elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau, l'amour, quand même. Quoi, c'est beau, l'amour? Bah, la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension, ça. Tu t'y connais, toi?
Tu vis avec quelqu'un, peut-être? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir et on en parlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il lit trop de livres et toi, tu vas trop au cinéma. Bah, je te suis bien faire là-dedans, moi. Non, mais ils vont arriver, elle est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je suis passé pour quoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Voilà. Je suis pas papa, moi. Hein. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Hein. Trop bon, trop con. Mais ça m'empêche pas de l'aimer. Hein. Arlette, je l'aime. Mais faut pas exagérer, je me trouve déjà trop gentil, moi. Qu'est-ce que t'as à rigoler dans ton coin, toi, là-bas, c'est pas vrai? Non, mais moi, je sais pas, patron. Moi, je suis neutre, hein. Non, mais vas-y, dis. Dis ce que tu penses, vas-y. Non, mais moi, je connais pas tout, patron. Là, je préfère pas m'engager, là, franchement. Il peut pas s'engager, Denis. Mais comme ça, lui, il est neutre. Mais je peux te répondre à sa place, moi, si tu veux. Non, moi, je la connais, ta réponse, là. Tu vas me sortir ta banderole, là, les femmes ceci, les femmes cela, et ça va durer une heure. Une heure, peut-être pas, mais... Les femmes ceci, les femmes cela, certainement, ouais. Ouais, bah tu peux me raconter ce que tu veux, moi je sais que... Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Eh ben juste là, on est d'accord, hein. Ouais, et ben chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Tu veux ta girafe? Hein? Tu veux ta petite girafe? La dernière fois, là, je regarde du tennis à la télé, là. Et qu'est-ce que je vois? Hein? Une femme en short. Ouais, franchement, une joueuse de tennis en short, là, est-ce que tu trouves ça normal, toi? De moi? Si je trouve ça normal? Une joueuse de tennis professionnelle. Bon, bah alors là, ça, je m'étais jamais posé la question, moi. Je pense que ça doit dépendre du short, hein, parce que moi j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Oh, mais sois pas con, Denis, une joueuse professionnelle. Ah, oui. Oui, bah si c'est une joueuse professionnelle, là, je sais pas. Ah, mais vous préférez la jupette, c'est ça? Ah oui, je préfère la jupette, moi. Je vais finalement reprendre une petite Suze. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Non, mais toi... C'est pareil, hein. Tu serais un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Ouais, je vais prendre jupette la prochaine fois. Non, mais tu parles comme un homme, là. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, hein, je te dis tout de suite. Hein. Ouais. Moi, je te dis ça, hein. C'est pour ton bien. Hein. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. T'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Merci. Merci, je pense que ça va beaucoup me servir, hein. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui m'en mette sur la bonne voie. Et t'as trouvé exactement les mots qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors que moi je croyais qu'il fallait du vinaigre. Je m'aide beaucoup, hein. C'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Ben il faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. T'as compris quelque chose? Ah oui, tout. Ouais. Il est vexé, hein. Ah oui, il est froid, là, oui. Ouais. Ah, il y a que la vérité qui blesse, hein. Ah non, patron, vous pouvez pas dire ça. Moi, je disais ça quand j'avais 12 ans, mais franchement, maintenant... Si on peut plus parler entre frères et sœurs, là, Non mais tu vas l'astiquer longtemps là, ta pompe à bière. Ah mais moi j'allustre, patron, hein. Ah, s'il y a bien un truc qui doit briller dans un bar, c'est la pompe à bière. Alors moi je fais ça sérieusement. Non mais Denis, passe un coup par terre là, on est en retard. Tu traînes, tu discutes, ça va être le chantier là. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter. Tu sais très bien qu'on ferme plus tôt le vendredi. Ben, c'est vous qui me posez des questions là depuis tout à l'heure. Oh merde, oh putain, je l'ai complètement oublié lui. Oublier quoi? Mais travaille, toi, hein. T'es pas comme Napoléon, t'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps. Parce qu'il faisait le ménage, Napoléon. J'ai oublié de regarder mon frère.
Le regarder? Oui, à 19h, il m'avait demandé de le regarder. Là. Attendez, il est venu à 19h et il vous a dit regarde-moi. Là, je comprends rien. À la télé, du con, il passait dans une émission régionale. À 19h. Et moi, c'est à cette heure-là que j'éteins, justement. Là, je regarde mon jeu et j'éteins. J'y ai plus pensé du tout. Et il passait à la télé en quel honneur? En quel honneur? Mais tu plaisantes, tu sais qui c'est, mon frère. J'ai complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty? T'y as pensé? Ouais, ça va, excuse-moi. Hein. Tu es très féminine. Ou alors, tu l'as vu, Philippe? T'y as pensé? Bah, évidemment. Ouais. Et toi, tu travailles avec lui toute la journée, alors c'est facile. Hein. Tu l'as vu, alors? Oui. Ah. Bon, je vais dire que je l'ai vu moi aussi. Dis-moi comment c'était un peu là. Tu vas mentir donc. Bah évidemment que je vais mentir, je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié alors que maman m'a appelé une heure avant pour pas que j'oublie là. Je sais pas comment ça a pu me sortir de la tête comme ça d'ailleurs là. Dis-moi un peu comment c'était cette histoire là. Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi il a parlé Philippe là? Tiens, comment il était habillé? Et puis le décor, la tête de l'animateur, enfin tout quoi. Voilà, tout ça quoi. Mais tu crois qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais on sait jamais. Il va dire, tiens, demain, je passe dans une émission à 19h. Là. Et maman qui m'appelle une heure avant, là. C'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. C'est pour que tu le vois, c'est tout. Il a appelé tout le monde. C'est à la télé, il y a sa famille, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Bah, tu connais quelque chose au marché des ordinateurs, toi? Ah ouais, c'est vrai. Je suis con. Moi. Je suis la bestie de la famille, là. Et t'as raison, je vois vraiment pas pourquoi elle demanderait quelque chose. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais je la connais, la chanson, à chaque fois, là, c'est pareil, que ce soit toi, que ce soit maman ou que ce soit Philippe, c'est toujours la même histoire, là. Je comprends rien, je sais rien, c'est pas la peine de m'expliquer. Non, mais arrête avec ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Denis, c'est pas vrai. À quoi, pourquoi encore moi? À qui tu veux que je demande? Bon, je sais pas, c'est quoi la question, patron? C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille. Oui. C'est tout ce que t'as encaissé là depuis 3h de l'après-midi là. Il n'y a pas eu un chat, hein. Ouais, bah dis donc. Bah moi j'étais là tranquillement tout l'après-midi, j'ai bouquiné, j'ai pas été dérangé. Ouais. Ça a l'air de te faire de la peine. Pas grand monde en ce moment. C'est calme. Très calme, on travaille un peu à midi, comme d'habitude. Là. Ouais. Oui, tu vas manger bientôt. Ouais. Je vais te faire à manger, puis tu vas rester là, bien tranquillement. Tu vas dormir, hein, parce que ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, on va au restaurant avec toute la famille. Et après, je reviens. Hein. Il voudrait venir avec nous, hein, mais... Putain, c'est chiant. On va encore se retrouver au Duc de Bretagne. Faut pas changer, là, un peu de temps en temps. Il y en a marre du Duc de Bretagne. Hein. Comment tu peux en avoir marre, là? Du Duc de Bretagne, c'est le meilleur restaurant de la région. Il est une merde, là, une étoile. Ah oui, parce qu'une merde, c'est rare, hein. Ouais, bah c'est le seul, en tout cas. Il faut qu'elle fasse pipi tout de suite, moi. Hein. J'espère qu'il n'y a personne aux toilettes. Oh là 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 là. Tu sais ce que ça veut dire quand ça fait tic-tic-tic près des roues là? Tu sais, quand je tourne à droite, on entend tic-tic-tic, tic-tic-tic. Je sais pas, moi, faut demander à un garagiste pourquoi tu me demandes ça à moi. Bah, c'est énervant, hein. Elle est neuve cette voiture. Bravo, moi je t'ai vu, c'était très bien. Ah bon, c'est vrai, t'as trouvé ça bien? Ah oui, c'est moi. Franchement, fait... parce que là, moi je me rends plus compte de rien, je sais plus quoi penser. Ouais, ouais, franchement. Bon. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas laisser trop parler. Ah bah oui, c'est moi je suis... Tu as remarqué, toi aussi, qui me coupait systématiquement la parole. Hein. C'est ce que je disais à maman, il n'a pas arrêté de m'interrompre. Je lui ai dit d'ailleurs, t'as vu quand je lui ai dit, non mais laissez-moi finir. Ouais. Hein. Ils sont là, ils te pressent, ils me bousculent, t'as pas eu le temps de répondre, ils sont déjà passés une autre question. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel, j'ai essayé d'être clair, j'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là. Ouais, bien sûr. Bon anniversaire, hein, Fatima. Ah, bah non, attends, c'est pas maintenant. Ah bon, pourquoi? C'est quand? Bah, tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant.
On va s'asseoir 5 minutes, non? Elle est pas là, Arlette? Ouais, je crois qu'elle est là. Et tu as vu l'émission, toi? Oui. Ah. Oui. Est-ce que tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible. Ah oui, c'est con, mais t'as bafouillé à un moment. Ah, tu vois? Oui, tu as bafouillé. Comment ça se fait? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident. Je ne sais pas, moi. Tu attends quoi? Que quelqu'un se casse la figure? Pour mettre un éclairage plus fort? Il ne peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, mais je ne t'ai pas dit bonjour à toi. Oh, bonjour mon Caruso. Oh, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Oh. Tout le monde dit que j'ai bafouillé, quoi. Une fois ou deux, c'est tout, hein. Mais oui, ce n'est rien, ça. Tu étais très bien. J'étais très fière de toi. Tu sais que le fromager t'a vu. Ah. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il a dit qu'il t'avait vu. Mais il fait chaud ici. Oh ben, c'est marrant, j'ai froid, moi. Non, non, il fait bon ici, Yo-Yo. Il fait bon, il fait bon. Je vois pas comment tu peux dire qu'il fait froid. Non, moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Hein? Tu vas me reparler de la pochette, maman. Oh non, non, je ne vais pas reparler, mais... Je maintiens que ce n'était pas une pochette pour passer à la télé. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Eh bien, je lui ai dit, moi, ce matin, je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou, cette pochette. Mais il n'a pas voulu m'écouter, il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou! Foufou! Ça fait poupou, ça? Oh non, pas du tout. Oh! Ah. Et puis, on parle de détails, ne parlons pas de détails. Quoi, dites-moi des choses constructives. Hein, bon, j'ai bafouillé, j'étais mal habillé, d'accord? Tu n'as jamais dit que tu étais mal habillé? Bon, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous, là, vous avez bien dit ça? Ah ben non, non, moi j'étais là, je bouquinais, hein. Il bouquine, lui, ici? Ah oh, ben il a de la chance. Et toi? Bah, tu as bafouillé. Ah. Oui, bon, j'ai bafouillé, mais à part ça? À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Ah, si. Eh bien, tu étais beaucoup trop maquillée aussi, je t'ai dit. Ah oui, voilà, trop maquillée. Vous le faites exprès? Ah, mais c'est lui qui insiste, alors on finit par trouver quelque chose à force. Hein. Oh, mais non! Tu étais très bien, Philippe. Fais-moi confiance. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Et tu n'as absolument pas à t'en faire. C'était très court. Ça a duré 2 minutes. Mais tu as souri tout le temps. Tu étais très sympathique. Tu n'as aucun reproche à te faire. Crois-moi. Vous voulez boire quelque chose? Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi. Ah bon? Tu te fais du souci? Non, non. Vous buvez quelque chose? Tu es fatigué? Non, ça va très bien, mais tu me fais peur, là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Mais ça va pas, mais... Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, toi? Mais tu m'as fait peur, imbécile! Oh, mais ça fait 3 fois que je demande! Oh. Et alors? On t'a pas entendu? Tu te doutes bien que si personne ne répond, c'est que personne n'a entendu. Non, je veux rien boire, moi. Moi non plus, on n'a pas le temps. On va y aller. Où est Arlette? Bah tiens, Denis, là, va voir un peu si elle est là. Tu montes, tu tapes et tu lui dis que tout le monde l'attend, là, si elle est là. Et si elle n'est pas là, je le plaisante, patron. Bonne planque, lui, ici. Bouquine, plaisante, il est nagé gratuitement, il vit comme un prince. Il a bien de la chance d'avoir un patron comme toi. Ne le traumatise pas, hein.
faudrait pas qu'il se moque de toi non plus. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Bon, arrête Henri, arrête. Je veux pas enfoncer le clou, hein. Mais tu sais bien que tu pourrais louer deux fois plus cher. C'est un vrai de pièces. Ça coûte 600 euros, au bas mot, ce genre d'appartement. Hein, tu lui fais un énorme cadeau. Ben, le calcul est simple. Tu perds 300 euros par mois. Et avec ces 300 euros, tu sais ce que tu pourras faire. Oui, je sais. Changer la décoration, tout ça, là, je sais. Tu sais, tu ne le fais pas. Je crois voir ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il aurait pu en faire quelque chose de bien, je pose un peu la tête. Je ne sais pas, moi, quelque chose d'accueillant, qui donne envie d'entrer. Tu vas nous raconter l'histoire du pub, hein, maman? Oui, oui, moi j'aurais vu un pub, enfin, quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, évidemment, il aurait fallu avoir de l'ambition. L'ambition, vous savez même pas ce que ce mot-là voulait dire. Sa seule ambition, c'était « Oh, père tranquille !» Voilà ce que c'était. Ouais, mais je sais tout ce que tu penses de papa. C'est pas la peine de le répéter. Et lui aussi, il le savait, tu lui as déjà dit 1000 fois, et sur tous les tons, là, et s'il n'était pas mort, tu lui dirais encore. Moi, j'en suis très fier, papa, et tant mieux si je lui ressemble. Mais, de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. On parle pas de papa, là. On parle de ta décoration. Et simplement que tu pourrais faire un effort. Elle n'est pas là, votre femme, hein. On va finir par être en retard. Bon, là, ça va encore, mais... Moi, oh, je vais reprendre quelque chose. Je vais prendre une suze. Il n'y a rien, Yolande. C'est la fête ce soir, en principe. Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? Oh non, t'es folle, arrête. Là, ce soir-là, sans indiscrétion... Et comment tu veux que je le sache? On lui demandera quand elle arrivera. En colère contre moi? Mais non, pas du tout. Bon, vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive? On va vous servir quelque chose à boire en attendant. Faut qu'on finisse, nous, Denis, ici. Hein. Allez, passons à côté, on va les laisser finir. Alors, deux, Suzy, là pour nous. Faut que je fasse attention, je suis rapidement pompette, hein. Ça va, Henri? Bah oui, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je te demande si ça va, c'est tout. Mais tu me dis ça, là. Ça va, Henri, avec cette terre, là, on dirait un docteur. Oh, mais c'est incroyable, mais tu... Je te demande gentiment si ça va, moi, c'est tout. Le père Frankie, j'ai... Non, mais t'es où, là? Non, mais tu sais quelle heure il est? Ouais. Ouais? Pourquoi, hein? Ouais. Ouais. Et t'as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir. Tu peux pas réfléchir à la maison. Ouais. Ouais, mais à quoi tu veux réfléchir, là? Je comprends rien. Je comprends pas ce que tu me dis, là. Ouais. Ouais, et qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord, là? Hein? Et tu choisis un vendredi soir pour faire ça, quoi, hein? Non, écoute, Hervé. Écoute, je vais te proposer quelque chose, hein? Ouais. Tu viens ce soir, hein? Et tu commences à réfléchir demain, par exemple, hein? Ouais. Ouais. Ouais, bah prends-la ta semaine. Prends 15 jours. Prends toute la vie si tu veux. J'en ai rien à foutre. Ouais, je te parle comme je te parle. Oh. Ouais. Faut pas en faire un drame. Il faudrait que je rigole. Non mais... Il faudrait que je prenne ça, tu vas voir, complaisance là. Enfin, je vais aller là-bas, je vais lui foutre mon poing dans la gueule à celle-là. Ah bah ça c'est sûr, ça peut la toucher, hein. Non mais c'est nouveau ça, d'aller réfléchir une semaine. Mais réfléchir à quoi là? Hein? Puis qu'est-ce que je vais leur dire là? Aux autres ils vont me dire, elle est où Arlette là? Je leur réponds quoi là? Elle est avec quelqu'un.
calme, c'est ça? Oh bah non, non. Ouais bah c'est quoi alors là? Et j'ai pas de considération moi. De quoi? Bah de la considération, je sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et pareil, j'ai pas de considération pour elle. Tu comprends quelque chose toi? C'est peut-être que vous prenez pas soin d'elle. Moi? Moi je prends pas soin d'elle. Oh, non, 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 monsieur. Je la traite très bien moi. Mais de toute façon on se voit jamais là. Je prendrais pas soin d'elle, j'aurais même pas le temps là. Moi je travaille 13 heures par jour, je mange, je dors, voilà ce que je fais. Je suis dégoûté là, dégoûté. Ah, elle va revenir. Juste le temps de réfléchir. Ouais. Ah. Ça fait du bien, patron, de réfléchir. Ah bon, ouais, ça, je sais pas si ça fait du bien. Oh bah si, réfléchir, peser de pour et de contre, faire le tri dans les idées, tout ça, quoi. Ouais, moi j'appelle ça enculer les mouches. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous, hein. Non, mais c'est vrai, là, si tu mets toujours à réfléchir à tout, là, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Et puis on s'en sort plus, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il dit le maire quand tu te maries? Bah, vous êtes unis par les liens du mariage. Non. Ah bah si. Non, non, qu'est-ce qu'il te dit avant? Vous jurez fidélité? Non, il te dit pour le meilleur et pour le pire, voilà, il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content, bah si ça va pas, tu patientes, quoi. C'est comme ça, la vie, hein. Bon, elle me connaît, elle sait comment je suis, je vais pas changer maintenant. Bah, pourquoi pas? Ah, parce qu'on est comme on est, et puis on change pas, et puis c'est tout. Bah, enfin si, on peut changer. Non, hein, on change pas, je te dis. Ah, vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Bon, là, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Tu veux que je fasse le canard? Oh non, vous voulez pas faire le poisson plutôt? Ah non, 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 c'est fini le poisson. Bon, bah... Bah, va pour le canard alors, hein. Avoir des autres. Je vous dérange en pleine lecture là, hein? Non, non. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi, bah, ça m'endort. Bon, deux autres. Bah, il y en a une pour Betty et bah, une pour moi. Il fait froid, non? J'ai froid, moi. Bon, Betty a dit que ça me réchauffera, deux autres. Et puis elle s'y connaît en Suisse, Betty, hein? Oh oui! Allez, bon anniversaire, madame Ménard. C'est votre anniversaire, hein? Oui. Merci. Ah, Caruso! Caruso? Vous savez pourquoi il s'appelle Caruso, lui? Ah oui! Oui, c'est parce que, à une époque, il chantait. Ah, il avait même une voix de ténor, hein? Mais bon, il a eu son arthrose, là, machin, enfin, il a arrêté, mais... Et puis, bon, Caruso, c'était son chanteur préféré. Eh ben, il l'a appelé Caruso. Oh, mais ce chien-là, il chantait? Chantait, oui, oui. Bon, il chantait pas des airs connus, hein. Il chantait... Ben, il chantait ce qui lui passait par la tête. Hein. Il faisait... Mais bon... Puis bon, un jour il a eu sa paralysie, là, ça l'a stoppé net, et voilà. Bah bon, c'est pas grave, hein. Un chien, c'est pas fait pour chanter. Ah bah, c'est fait pour courir quand même. Après la vente, là, comme ça, rien faire toute la journée, ça doit être insupportable. Bah, c'est toute la journée, parce qu'à plat ventre à rien faire, c'est plutôt bien. Mais, vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Ah oui, ah oui, oui. Oui, ça, quand il veut aller d'un point à un autre, là, il doit bien voir que... Bah oui, mais alors, à quoi ça sert?
sert de garder un chien paralysé? Bah, c'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Oh. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là, je fais une énorme sonnerie. Allez surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé, il commence à douter maintenant. Et ma mère qui veut pas lui lâcher les couilles avec son histoire de pochette là. Ça c'est une erreur. Fallait lui dire que c'était bien et puis c'est tout. C'est mon père ça. Je lui ai dit moi que c'était bien. Enfin, on pourrait pas deviner que ça aurait tellement d'importance pour lui non plus. Ah bah Betty, bien sûr que c'est important. C'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il est que numéro 4. Ah oui, on dit toujours directeur, Philippe. Mais en fait, il est que numéro 4. On avait prévu partir 8 jours en vacances, là. On avait prévu ça depuis au moins un an, et on a été obligé d'annuler. Alors, tu vois que c'est important. Et oui, on devait partir 8 jours, tranquille, sans les enfants pour une fois. Ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Oh les enfants, j'en ai un peu marre en ce moment. Hein. Bon, Michael, lui, bah, ça va toujours. Mais Kevin, il ne cherche qu'à me contrarier. Tiens, tu sais pas ce qu'il m'a fait mercredi. Une otite. Denis, ton canard. Philippe va prendre un petit jus de tomate finalement. Ah, un jus de tomate, d'accord. Attendre pour attendre. C'est normal que ça dépasse comme ça de ta veste? Quoi? Qu'est-ce qui dépasse? Ça là. C'est fait pour? Bah, pourquoi? C'est pas bien. Juste, un genre. Alors, dis-moi un peu, on le voit quand ton fameux fiancé? Quel fiancé? Bah, ce garçon-là dont tu m'as parlé, tu sais. Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Demande ça. Tu avais l'air de trouver ce garçon exceptionnel, alors je vais pas me mêler de tes histoires, mais je pensais à ça cet après-midi et je me disais que mais j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu as quand même 35 ans. C'est normal que j'y pense. Je m'inquiète. T'as 35 ans? Oui. Oui, l'année dernière, j'avais 34 ans et ça t'avait déjà étonné. Je sais pas si tu te souviens, Yolande. Ah bon, non. Si. Ma mère me disait pareil. Elle me disait qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'avais 34 ans. Et toi, sur le même ton, tu m'as dit, t'as 34 ans. Tu te rends compte, Betty? J'avais déjà mes 3 enfants à ton âge. Bah, et puis moi, mes 2, hein. Oui, je sais. Je ne suis pas dans les temps. Je ne respecte pas le règlement. C'est un tort? Mais foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours être dans la norme, ça fait chier. Mais je ne lui reproche rien. Je suis sa mère, je m'inquiète pour elle. Ce n'est pas normal. Mais me donne faim, celui-là. Tiens, c'est du canard. Il y avait un autre. Hein. C'est bon ça. Tu vas te régaler. Bon appétit mon petit. Merci madame. Je l'ai bien plaisanté vous hein. Tu sais ce que je vais faire maman? Je vais passer un coup de fil à Michou. Je t'ai vexé Betty. Non, pas du tout. Tu peux lui faire confiance à Michaud. Il dit les choses franchement, lui. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Je t'ai parlé très franchement, chérie, tu sais. Ouais, Michaud? Ouais, c'est Ménard, je te dérange? Bon. Dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Bon, donc, tu m'as vu. Tu peux me dire ce que tu en as pensé en deux mots? Bien sûr, sincèrement. Il est quoi comme numéro déjà, Michaud? 5. Ah oui. C'est un sous Philippe, ça. Ah oui, Philippe, il est numéro 4. C'est ce que je dis. Mais il me coupait systématiquement la parole, alors. Voilà, c'est le journaliste qui est la vedette, c'est exactement ça. Oui, tu l'as dit, Michaud, oui. Oui, vas-y. Trop souriant. Non, mais comment peut-on être trop souriant? Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Bon, ben, je te laisse, hein, là, j'ai un... Oui, à lundi.
Je ne sais pas si tu as raison d'appeler lui, hein. Tu lui fais croire que son opinion a d'importance pour toi. Lui, il a cette réputation de franchise. Alors, il en rajoute, il fait son intéressant, tu comprends? Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Et puis, de toute façon, ce qui compte... C'est ce que je lui dis, moi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais comment peut-on être trop souriant? De toute façon, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent. Tu ne peux pas appeler ton patron? Non, non, non. Non, je ne veux pas me déranger pour ça. Non, je peux appeler Benito à la rigueur. Ah, c'est le numéro 3. Lui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah oui, pardon. Non, je parle à Betty. Ah, pardon. Oh. Je ne me souviens plus. Je connais, moi, ce Benito. C'est un vrai con. D'ailleurs, faut que je te raconte, Philippe. C'est Mazzolini. Oh! Au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce? Benito Mazzolini. Ah, c'est pour ça. Il est si dur que ça. Tu plaisantes? Oui, cela, monsieur, un salopard. Oh. Fini, ce Mazzolini. Il est ignoble. Il a un comportement avec les employés, mais tu peux pas savoir. Et alors, et personne ne l'ouvre. Alors ça, personne ne l'ouvre, évidemment. Alors on s'indigne dans les couloirs, mais devant lui, on ferme sa gueule, hein. Tu penses? Voilà, et moi cet après-midi, je l'ai pas fermé justement. Bon, j'ai eu Arlette au téléphone là, elle sera pas là avant un bon quart d'heure, peut-être plus, alors bah, allez-y, hein. Moi je vais l'attendre ici, puis je vous rejoindrai, hein. Cet après-midi, au bureau? Ouais, j'étais fatiguée, tu vois. J'ai pas envie de me laisser emmerder. Bon, il est venu m'aboyer dessus, comme d'habitude. C'était plus fort que moi. J'ai eu une montée de rage et je lui ai dit: directeur ou pas, vous n'avez pas le droit de vous adresser aux gens de cette façon. Parlez-moi correctement. Je me suis pas laissé faire, tu vois. Je peux te dire qu'il était très étonné. Tu lui as dit ça? Oh, ce que je regrette de ne pas avoir été là, moi. Donc, j'ai eu Arlette au téléphone. Allô, oui? Elle était chez une copine, elle a pas vu l'heure passer, quoi. Elle babassait. Voilà. Donc, le temps d'arriver, un quart d'heure, 20 minutes, enfin, j'en sais rien, moi. Alors, allez-y, hein, si vous voulez, et moi, je vous rejoins. Elle sait qu'on attend depuis une demi-heure, tu lui as dit? Eh oui, maman, je lui ai dit que ça. Je suis pas folle. Il a une porte ouverte quelque part. Il fait bon ici, Lyon. Il fait bon. Je meurs de faim, moi. Eh ben justement, allez-y maintenant. Allez-y, partez. Hein? Et moi je vous rejoins. Comme ça vous commencerez à manger et moi je serai plus tranquille. Ça va, Riri, t'as un problème? Non, j'ai pas de problème. Mais arrête de m'appeler Riri, là, ça fait 30 ans que je te le demande, là. Tu le fais exprès pour m'emmerder ou quoi? Ça va. Ça va, ça m'a échappé. Ouais, je t'appelle Fifi, moi, je t'appelle Fifi. T'es énervé, toi, quand même, pour quelqu'un qui a pas de problème, hein? Bon, on va prendre nos affaires et on va y aller maintenant. Vous n'allez pas vous disputer. C'est l'anniversaire de Yo-Yo, quand même. Allez, Yo-Yo, venez. Venez prendre nos affaires. J'ai aucune envie de me disputer. Oh. Oui, tu n'as pas été violente, Tu t'es pas emporté au bureau cet après-midi? Pas spécialement. Hein? Bon. Non, comme je sais que tu peux être assez... Pas spécialement. Betty, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. J'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure à ta mère au sujet de ton fiancé et ça m'a beaucoup touché. Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a touché? Eh ben... Je savais pas que je comptais autant pour toi, alors ça m'a fait quelque chose, quoi. Ah ouais, mais excuse-moi, mais on parlait pas de toi, donc... Ah bon? Non. Ah d'accord. Donc là, j'ai été ridicule, là. Non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé, c'est tout. Et je le connais? Tu as dû l'apercevoir. Ah. Donc tu le voyais, alors? Qu'est-ce que tu fais là, toi, encore là? Alors, vous dites que vous partez, là, puis vous partez pas. Ça va, mais 2 minutes, putain, mais qu'est-ce que t'as ce soir, Henri, là? Et toi, là, tu vas partir et tu vas me laisser ce comptoir pourri, là? Hein? Tu passes une heure à nettoyer la pompe, là, mais tu fais pas le comptoir, là. Bah, je l'ai fait, votre comptoir, patron, je l'ai fait, mais en même temps, il y a eu du passage, là. Il y a eu votre soeur, là, votre mère, votre frère, ils ont mis leurs mains, leurs doigts, leurs traces partout, moi. Ouais, ben, ce compte-là, on recommence.
Hein, le matin, le client, quand il arrive, il voit pas un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, le client, là, que tu l'as nettoyé à une époque. Lui, il voit un comptoir pourri, il revient plus, là. Hein, je trouve qu'on en a trop, peut-être, des clients. Hein. Alors, toi, c'est aucun moyen de rien foutre, tu sautes dessus. C'est bon. Vous mettez pas dans cet état. Je vais le faire, pas le comptoir, c'est bon. Ouais, t'as la bonne plante, toi, ici, quand même. Ça se discute, hein. Alors, tu veux qu'on en parle, là? Non, c'est bon, merci. Il devient fou, lui. Il devient pas fou, il a pas de morale. Ah bon? Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Oui, il a une nouvelle qu'il a... Oui, une mauvaise nouvelle, j'ai compris, mais laquelle? Bah, vas-y, c'est mon frère, vas-y. Arlette est partie. Ah, une semaine, hein, pour réfléchir. Pas possible. Merde. Et pourquoi? Ah non, je sais pas, moi, je sais pas tout. Ouais, hein. Bah, dis-moi ce que tu sais, je m'en arrangerai. Eh bah, ben, elle a dit qu'il manquait de considération pour elle. Je leur laisse 300 balles chaque vendredi. Ils vont pas nous faire une réflexion parce qu'on arrive 20 minutes en retard. Dis pas de bêtises, Yolo. Alors, Betty, tu viens? Non, je vais rester un peu ici, moi. Ah bon? Tu vas rester ici? Oui, je vais rester un peu avec Henri. Pourquoi? Il a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, il... Ben vas-y, dis-le. Parler de ses barrés. Une semaine, hein, pour réfléchir. C'est Denis qui va me dire. Et comment vous savez ça, vous? Elle a appelé, moi j'étais là, j'ai tout entendu, hein. Et voilà. Oui, bon, allez, une semaine, c'est pas si grave, hein. Elle va peut-être revenir. C'est malheureux à dire, mais voilà. C'est à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon. Il faut prendre une décision, là. Je décommande, je fais quoi? Bon, chérie. C'est ton anniversaire. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je m'en fous, j'y vais toute la semaine au restaurant, alors... Je tiens pas particulièrement, alors vas-y, c'est ta soirée, c'est toi qui décides. Hmm? Sachant que maman a très faim, qu'on est déjà bien en retard, et qu'on peut très bien décommander, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il avait envie de rester seul, hein. Non, oh, mais là, vous allez rester longtemps, là, à bavasser, là, je comprends pas ce que vous faites, là. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ton verre, Henri. Ton verre. Bois un coup.
tout va, ça pourra pas te faire de mal, au contraire. Écoute-toi un peu. Fais-moi plaisir. Ne prends pas les choses au tragique comme ça. Tu ne dois pas te ronger les sangs toute la soirée avec cette histoire. Tu n'as pas encore assez facile, hein, faut le reconnaître. Elle en a une marre. Elle prend une semaine de vacances, ça va lui faire du bien. Elle va respirer un peu. Il faut que ça respire, une femme, tu sais. Non, moi, ce qui me traverse, c'est Benito. Il était dans son humeur tout à l'heure au téléphone. Il n'aura pas de le rappeler, hein. Oui, c'est pas maintenant, c'est dans, une demi-heure. Oui, il était très sec, tu vois. J'ai pas le temps de parler maintenant. Oh, il est jamais très tendre, hein, Benito, hein. Mais je sais comment il est, mais là, il était particulièrement désagréable, tu vois. Et c'est ça qui me fracasse. Quand je pense que je devrais être en vacances. J'en ai marre de cette histoire-là. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là, autour de la table, comme ça, là. Et moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec. Du poisson ? Oui. Mais c'est bon ça, c'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon ? Je peux commencer à ouvrir ? Mais oui, allez-y, c'est fait pour. Le petit d'abord. Ça, c'est mon cadeau. Ensuite, l'autre là, c'est Henri Hervé. Mais il s'ouvre après. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez ouvert les deux. Qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois bien ce que c'est, chérie. Bah, oui, c'est un chien en photo. Tu fais une collection de photos de chiens. Ah ben non, justement. Ah. Alors c'est un bon pour retirer un chien dans un chenil. Vous m'offrez un chien, c'est ça? C'est lui là, sur la photo. Mais je vous préviens tout de suite, hein. Il s'appelle Biniou. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Comme il est très jeune, il n'est pas encore habitué, il le supportera très bien. C'est un mâle. Entre parenthèses, vous serez mille fois moins embêté avec un mâle. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Merci, madame, mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'entretient? Ah, tu l'arroses une fois le matin, je crois. Enfin, mais ça te fait pas plaisir, tu fais une drôle de tête. Elle est surprise. Bah oui, voilà, je suis surprise. Ah, vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais! Ça, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Ah, ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé. Personne ne m'a comprise comme Freddy. Quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui. J'ai déménagé, oui. Eh ben, c'est bien de reconnaître, hein. Oui. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. C'est ma mère aussi, hein, qui l'a offert à ceux qui marchent plus, là. Le seul problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, hein, toujours de bonne humeur, hein. Jamais une plainte, hein.
été paralysé, le vôtre aussi? Mais bien sûr. Quelle insensible cette petite. C'est une laisse. J'ai vu. Merci. Et les clous là, ils sont plaqués. Ah, c'est gentil. Ah. Ah, et ça c'est mon cadeau. Voilà. Oh, mais arrête de pleurer, mais j'ai la sensiblerie maintenant.5 euros, je sais pas, c'est l'anniversaire de Yo-Yo quand même. Hein? Tu peux pas faire un geste.
Sont tu tes forces, un geste? Des cadeaux à Delphine, si tu parles d'un geste. Bah, c'est déjà pas si mal. Ah oui, c'est tellement plus pratique, hein. On peut ignorer pendant les gens pendant toute l'année, les traiter comme de la merde. Et il suffit de faire son petit numéro une fois par an, et la faire dans le sac. Mais on sait ce que tu penses de tout ça, Betty. Rien faire du tout, bah c'est encore plus commode, hein. Moi, bah j'aime bien les cadeaux. Le chien, par exemple. J'aime bien. Ah non. Mais en général, quoi. Laisse, Philippe, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Chérie, on danse? Ah non, non, non. Non, non, vraiment, non. Oh, allez, s'il te plaît. Non, non et non. Je suis fatigué. Henri, tu veux danser? Ah bon, excuse-moi, mais j'ai aucune envie de danser au rock'n'roll. Henri, vous permettez, madame Ménard? Oh! 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 Hein? C'est pas de la musique, ça, pour moi. Il y avait pas longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Eh ben, il t'en faut pas beaucoup, hein? Eh ben, il danse drôlement bien, Denis. Oh, Denis, vous dansez drôlement bien. Non, mais moi je fais ça comme ça, hein. J'improvise, j'ai jamais appris. Hein. Ah, bah c'était très agréable, merci beaucoup. C'était mon petit cadeau d'anniversaire. Hein. Vous en voulez une autre? Non, 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 ça va, ça va. Non, ça ira comme ça, je vous en prie. Ah, bah désolé, hein. C'est monsieur qui commande. Oh, 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 allez, oh, mais, qu'est-ce qu'elle a? Ah, rien, elle va avoir un gros bleu. Elle a eu très peur, surtout. Et Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il a pas changé l'ampoule. N'arrête pas jusqu'au grand lit. Tu trouves vraiment ça manque de lumière dans ce couloir? Moi? Bah oui, toi. Non. Bah alors, pourquoi tu dis qu'il en rate pas une? C'est toi qui en rate pas une avec lui. Faut pas exagérer. C'est le type de l'auto-école? Quoi? Bah ton fiancé là, le mec formidable. Fiancé, j'avais oublié celui-là. Non, non, c'est pas le type de l'auto-école. C'est un type du coin alors? Tout à fait. Quoi? Porco là! Puisque mon frère est incapable de prendre la moindre initiative et de vous donner un ordre clair, alors je vais le faire à sa place. Et je vous demande, demain, à la première heure, vous allez acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà! Vous m'avez compris? Chaleureux, mon frère, ce soir, hein? Ouais. On a tout de suite envie de lui faire plaisir, hein. C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école. Le pharmacien, alors? Tu me vois avec le pharmacien? Je sais pas, moi, je cherche... Pourquoi tu veux le savoir, de toute façon? Bah, par curiosité, pour savoir, quoi. Ben. Ah ouais? Oui. Métier? Elle voudrait un verre d'eau, tu veux pas lui apporter? Non mais toi, ça va? Moi, on s'en fout, moi.
Tu verras toute seule. Ah non, faut pas dire ça, patron, elle va revenir. Mais non, 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 je te dis que tu peux y aller, là, je finirai tout seul. Non, oh non, mais ça, vous inquiétez pas, patron. Je vais vous rester, j'ai rien de prévu ce soir, je vais vous aider. Ouais, t'as raison, elle va revenir. Je lui disais aussi qu'elle allait s'apercevoir, là, que c'est pas possible, hein. Oh, on est trop habitué maintenant, elle peut pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Oh, je suis con, moi, je crois au Père Noël. Pourquoi vous y allez pas, vous? Là-bas, chez sa copine? Qu'est-ce que tu veux qu'il foute là-bas? Je sais pas, moi, lui parler. Oh, c'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Tu veux pas que j'aille me mettre à genoux non plus, non? C'est toi qui as raison, là. Pas de femme, t'as pas de famille, t'as personne pour te faire de reproches toute la journée, là. T'es heureux, toi. Personne pour me faire de reproches toute la journée, j'irai pas juste là, patron, hein. Si tu crois que j'ai envie de plaisanter. On vous demande pas de vous mettre à genoux. On vous demande juste d'aller la voir et de lui parler. Vous expliquez. Vous lui dites qu'elle vous manque, que vous tenez à elle, que vous l'aimez, quoi. Vous parlez tous les deux comme des adultes en face à face. Enfin voilà, vous dites que vous. Pas plutôt de rester à ruminer là dans votre coin comme ça. Tenez. Là, justement, dans le bouquin, il y a un passage. Ah non, arrête avec tes bouquins là, je te jure, j'ai vraiment pas envie de lire là. C'est pas le moment. Enfin, vous avez jamais envie de lire. Ouais, mais là encore moins, quoi. Elle voudra pas me voir là, si elle est partie là, c'est qu'elle veut plus me voir. Bah, je sais pas, on peut pas savoir, patron. Tenez, on va demander l'avis d'une femme. Betty, est-ce que. Si tu venais quitter quelqu'un, toi, sur un coup de tête, comme ça, qu'est-ce que tu en dirais si il venait te voir pour te dire que qu'il tient à toi, que tu lui manques, enfin, qu'il a envie que tu reviennes, que tu es importante à ses yeux, tu aimerais ça, ça te plairait, toi, ça te fait quelque chose, oui. Hein? Oui, ça me plairait, ouais. Vous voyez, ça lui plairait. Non, moi, je veux pas faire d'excuses, moi. Il a fait ça toute sa vie, mon père, à t'excuser, il a été bien gentil, et on voit comment ça s'est terminé. Comment? Bah, elle est partie. Et pour toi, comment ça se termine? Ta femme à toi, c'est Arlette, c'est pas maman. Arlette est en demande de la gentillesse. Elle aime ça, elle. Ça va aller. J'ai eu un coup au cœur. Je ne trouvais plus ma respiration. Ça m'a affolé. Oh oui, hein, tu as eu peur. Hein, tu as eu peur. C'est tout. Moi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi, quand je vous ai vu toute ratatinée, là, en bas de l'escalier. Tiens, je boirais bien un petit verre de quelque chose. Non, doucement, chérie, sur la boisson. Doucement, chérie, sur la boisson, enfin, comme si j'étais une ivrogne. Je crois que tu as déjà assez bu. Et alors, c'est mon anniversaire, je danse et je bois. C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens pas. Eh ben moi non plus, alors tu vois. Et alors, où est le rapport, la question n'est pas là, je te parle de ce soir, moi. T'arrêtes pas avec ça, Yolande, je vais te servir, moi. Ouais, merci, hein, merci, bravo, hein, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Oh, c'est son anniversaire. Bon, on va finir par le savoir, hein, que c'est son anniversaire. Elle va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire, hein, quand même. Pas de coup de téléphone, bon, chérie, hein. Je pense qu'à ça. 30 minutes. Il n'y a pas une porte ouverte quelque part? Je suis pas folle quand même, je sens un courant d'air qui m'arrive de là, en plein dans le cou, ici, là, dans le cou. Je
je sors un petit moment et je reviens. Hein. Si vous êtes là, très bien. Autrement, Denis, tu t'occupes de tout, je te fais confiance. Oui, pas de problème, patron. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Je vais me promener. Tu vas te promener en pleine nuit? J'ai besoin d'aller faire un tour. Eh ben dis donc, merci, c'est gentil pour nous. Je vais voir Arlette. Ah bon? Et pourquoi donc? Pour lui parler. Que drôle d'idée! Quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas, moi je vais lui parler, là. Je vais pas rester dans mon coin à ruminer pendant une semaine. C'est certainement une question de caractère. Moi, je ne pourrais pas, mais... Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Ouais. Ah bon? Moi, je trouve pas. Oh, maman, laisse-le y aller, va, si. Il est assez grand, va. C'est toi qui lui as donné ce conseil? Ah non, c'est pas moi. C'est moi, madame. Eh ben, j'aime mieux vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'en vanter. C'est ton opinion, maman. C'est ce qui va se passer maintenant. Je te le dis tout de suite si tu veux. C'est clair comme de l'eau de roche. Il va se passer exactement le contraire de ce que vous cherchez. Eh ben, la voyez promener tout simplement. Si elle est partie, c'est pas pour tomber dans ses bras 3 heures plus tard. Primo. Et secondo, la mendicité en amour, ça ne marche pas. Ça n'attendrit pas. Ça irrite. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Mais bien entendu. Suis-moi, je te suis. Je suis qui? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Pourquoi elle est partie? Tu ne sais même pas. Comment peux-tu être aussi sûre de toi? Je ne connais pas la raison exacte, ben, mais je m'en doute. Henri, c'est moi qui l'ai fait et je connais son caractère. Et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Tu la connais la raison, toi? J'ai plus envie d'en parler. Non, je la connais pas, la raison, voilà. Rien ne se passe normalement avec Henri. On ne change pas. Il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Quand c'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la journée. Il a marché très tard, il en parlait très tard, il était en retard sur tout. C'est comme Kevin. Il est lent, il est mou. Mais bien sûr, dès le début, vous savez comment va être votre enfant. Il avait à peine 2 jours, Henri. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ma mère est arrivée devant le berceau. Elle l'a regardé un long moment et elle m'a dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce petit. » Alors, vous voyez, 2 jours. Alors que Philippe... Exactement. Oh, maman, arrête, on va pas recommencer avec ça. Vous m'énervez tous les deux. Je suis bien obligée de comparer. J'ai eu 2 garçons, je les ai élevés de la même manière, et c'est le jour et la nuit. Oui, maman, on est au courant. Tout le monde est au courant. Dans le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux, et Henri est un con. Très simple à retenir. Et toi? Quoi, moi? T'es quoi, toi? Moi? Moi, je suis une fille. C'est pas noté pareil. Eh mais, vous vous connaissez? Ah ben oui, parce que il t'a tutoyé. Oui. Ah, donc vous vous connaissez? Oui, oui. Il danse bien le rock, hein? Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'impression que je ne digère pas ce canard. Il a l'air mort, ce chien. Et quand je pense que je vais le même. Je te demandais de ne pas trop boire. Mais j'ai pas trop bu, hein. J'ai bu 5 verres.
Dis, est-ce que je te fais des réflexions, moi, quand tu rentres bah, tous les mardis à 3h du matin? Ah, nous deux. Oh, ah non, ah non, excuse-moi, Betty, hein. Yo-yo. Non, mais là, je vois pas le rapport avec le mardi, là. C'est quoi, c'est génial, hein. Non, je vois pas le rapport. Donc, tu commences à dire n'importe quoi, hein. Le rapport, c'est que j'ai le droit de boire un verre de temps en temps, hein, et que tu pourrais être gentil avec moi. Je vais faire un beau voyage. Je me retrouve avec un chien! Ouais, on va prendre un peu l'air frais, hein? On va marcher un peu. Ça va nous faire du bien! Oh, qu'il est gentil! Oui, c'est ce que j'allais dire! Non, mais la bouche! Comment je pouvais savoir, moi, qu'elle n'aimait pas les chiens? Tu ne le fais pas, toi! Ah non, ça va, merci, hein! Ah non, 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 merci! On dit à Henri. Il aime les animaux, Henri. Mais c'est l'heure pour Philippe. Il faut qu'il appelle maintenant. Oh, il se fait du souci avec cette histoire. Hein. J'espère qu'il va le rassurer, l'autre, là, c'est Benito. Avec une mauvaise humeur. Ma mère disait toujours mauvaise humeur, mauvaise foi. Et ça, c'est bien. Dans un certain état de nerf, tu as besoin de te soulager. Et dans ces cas-là, c'est le premier qui se présente qui prend pour tout le monde. Que d'histoire pour deux malheureuses minutes dans une émission à la con. Qu'est-ce qu'on en aura parlé? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, franchement, tu l'as aimé, Benito? Ah non, tu l'es pareil. Mais comment peux-tu être aussi grossière, Betty? Mais quand je t'en parlais, mais j'ai peine à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu ne peux pas t'exprimer autrement? Que ça fait joli dans la bouche d'une femme? Je m'en fous, moi, de faire joli. C'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Et que tu veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas féminin. C'est repoussant. Bon, ben, moi, si je peux me permettre, je... On vous a rien demandé à vous. Vous voyez pas qu'on parle entre nous? Pardon. Il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Mais depuis le début de la soirée, tu ne t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe, alors qu'Henri se m'enfonce dans son coin. Que t'appelles ça comment, toi, ça? La délicatesse? La décence, peut-être? Merci, par là. Il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Tu me trouves grossière, là, hein? Eh ben moi, c'est lui que je trouve grossière. Tu vois, on n'est pas d'accord. Il traite Demi comme un chien, comme tu viens de le faire là, à l'instant. Pas grossier. Je dis comme un chien. Je devrais pas. C'est encore ce qu'on traite de mieux, les chiens, dans cette famille. Eh ben dis donc, je ne pensais pas, j'étais un tel monstre pour toi. Je te fais pleurer, c'est moi qui suis un monstre. Excusez-moi si je vous ai froissé, voilà. Vous m'avez pas froissé, Yo-Yo. Je pensais que vous aimiez les bêtes. Je me suis trompée. C'est moi qui m'excuse. J'ai jamais dit que j'aimais pas les bêtes, mais... C'est ce chien-là, il m'a foutu le cafard. Ça fait rien, ça fait rien. Bon. Où est Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone. Dans la voiture? Oui. Oh, c'est bien. Oui. C'est pratique quand même que je téléphone.
téléphone de partout, Philippe. Oui, il est bien obligé, hein. Ah non, il n'est pas obligé, il adore téléphoner. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Yolande? Betty, Betty, qu'est-ce que tu m'as raconté? Non mais, tu es un peu malade. Qu'est-ce que c'est cette tête de tueur? Pourquoi tu me parles d'abord? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu ne t'étais pas emporté avec Mazzolini, tu m'as répondu quoi? Mais t'as vu dans quel état tu te mets, là? Parce que d'après lui, ça ne s'est pas du tout, mais pas du tout passé comme tu me l'as raconté. Il a trouvé ton comportement inadmissible. Moi, je l'appelle la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission. Hein? Et je tombe sur un fou furieux. Alors? Quoi alors? Oh. Il n'a pas l'habitude qu'on leur mette à sa place, il ne l'a pas digéré, il est vexé. Mais qu'est-ce que je te dis? Bon, elle n'a pas voulu me parler. Et en plus, hein, j'ai réveillé tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Bravo, vous m'avez donné un conseil formidable à tous les deux. Et l'émission, qu'est-ce qu'il en a pensé? On n'en a même pas parlé. On a eu un seul sujet de conversation. C'est Betty. Non mais l'événement de la journée, mais c'est pas l'émission. C'est le coup d'éclat de Mademoiselle. D'ailleurs, je te préviens, entre parenthèses, tu es très près de la porte. Ah bon? Bah tiens. Hein. Tu l'as renvoyé? Il allait pas la décorer de toute façon, hein? Oh là là, c'est pas possible. Oh là là. Non. Rien, non. Mais rien du tout. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais assis sur mon châle. Excuse-moi. Je comprends rien, franchement. Non. Je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On a toujours été d'accord, on a parlé mille fois, là, tous les deux, de Benito. C'est un connard. Il fait chier tout le monde toute la journée. Ouais, toi le premier. Mais tu détestes ce type! Tu n'attendais que ça, quelqu'un leur mette à sa place, j'ai pas rêvé! Oh. Oui, mais enfin, Betty, tu vois bien que tu as allé trop loin et que manifestement tu as fait du tort à ton frère! C'est lui qui t'a recommandé quand même! C'est un détail ça! Tu penses bien qu'elle s'en fout! Hein? C'est tellement plus pratique hein, de faire n'importe quoi sans se poser de questions! Hein? Je vais te dire une chose, Betty, jusqu'à 18 ans, c'était très drôle! T'avais pas la langue dans ta poche, t'étais la comique de la famille! Mais là maintenant! Là maintenant, ça commence à devenir fatigant, tu vois. Je sais pas si t'es au courant, mais à 35 ans, ben t'es censé être une adulte, pas une irresponsable qui fait n'importe quoi sans se poser de questions. Mais tu pouvais pas réfléchir un peu et la fermer plutôt, non? J'étais persuadée que ça te ferait plaisir, moi. Oh. Je me suis dit que je vais raconter ça à Philippe, qui va sauter de joie. Oh. Tu vois que j'étais loin du compte. Sauter de joie? Sautez-toi! Parce que t'as insulté Mazzolini? Je ne l'ai pas insulté! Tu me connais mal? Ouais, apparemment je te connais mal, ouais. Mais enfin, Betty, pourquoi tu t'obstines comme ça? Tu as fait une bêtise? Tu as fait une bêtise! Reconnais-le pour une fois! Tu as voulu faire ton intéressante, comme d'habitude, et puis voilà! Non, je n'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvée en face d'une espèce de salopard qui a plus de son pouvoir, et je lui ai dit ce que j'en pensais! Voilà ce que j'ai fait! Je sais pas. Peut-être que Philippe va nous en prendre. En fait, c'est un type formidable, Benito. Hein? Oui, on est d'accord, Betty. Oui, c'est un connard. Oui. Benito est un connard. Voilà. Et tu lui as dit son fait, hein? Et alors, tu vas changer. Ça va changer quelque chose, hein? Tu crois, hein? Il va être différent, lui. Lundi, je vais arriver au bureau et il aura des fleurs dans les cheveux, hein? Et il distribuera des bonbons à tout le monde. Non mais. T'as qu'à voir comment il m'a reçu au téléphone! La vérité, c'est que tu t'es défoulé! T'as pensé qu'à toi! Et tu m'as foutu dans la merde! Eh oui! Il était bien vu, ton frère! Jusqu'à maintenant! Voilà! Et moi maintenant? Et moi maintenant? Hein? Et moi maintenant? Mais j'ai de me dire quoi, moi? Moi, je vais passer pour un type qui fait engager des hystériques! Et tu crois qu'il va la renvoyer? Ben, tiens, mais j'en suis sûr! J'en suis sûr même! Tu te rends compte, Betty? Je m'en fous. Oh, tu t'en fous. Oh, tu t'en fous. 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 Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi. Tu comptes sur moi pour te trouver du travail. D'habitude. Non, t'inquiète pas. Je ne demanderai plus rien, Philippe. On verra, hein? On verra dans 3 mois ou dans
pendant 6 mois quand t'auras plus un sou. Eh ben, ce sera comme à chaque fois. Dis, Philippe, tu connais pas quelqu'un... Je n'en fais plus rien, je te dis. Ah ben, ce serait nouveau. Ça, ce serait nouveau, hein. Nouveau, justement. À partir de maintenant, Philippe, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne fais plus rien pour moi. Il me coûte trop cher, tes cadeaux. J'en veux plus. T'en veux plus de mes cadeaux? T'en veux plus de mes cadeaux? T'en veux plus? Eh ben, très bien. Très bien. Tu t'ébrouilleras toute seule. Voilà. Comme une grande. Voilà, comme une grande. On va te voir à neuf, hein? On va voir ce qu'elle est devenue, hein, ton insolence à ce moment-là, hein? Parce que tu seras peut-être moins fier, hein, dans 6 mois ou dans un an, quand tu vas t'apercevoir. C'est bon. On a compris là, hein? Dans l'ensemble, la bêtise, t'as tout compris. De quoi se saluer? On lui a demandé un commentaire. Oh, va falloir vous calmer, quoi? Parce que ça commence à bien faire, hein? Parce que le ton sur lequel vous me parlez là, depuis le début de la soirée, là, ça commence à monter, là, hein. Parce que moi, si ça continue, je vais prendre une chaise et je vais vous la foutre sur la gueule. Parce que moi, je suis calme, mais là, quand j'y suis. Tu dis rien, toi? Non, moi, je dis rien, moi, je m'en fous d'autres histoires, tu vois, là. J'ai envie de fermer, d'aller me coucher, là, je suis fatigué, tu vois. Ah, tu t'en fous de mes histoires? Ah, bah, je te remercie. Quoi? Tu t'intéresses aux miennes, toi, peut-être? Hein? Tu les connais, mes histoires à moi, hein? À part ton émission de télé, là, que j'ai même pas vu, d'ailleurs, là. Tu t'intéresses à quoi? À qui? T'en as de la considération, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu sais même pas ce que ça veut dire. Patron, je peux y aller là parce que je rentrerai bien chez moi là. Ouais, vas-y Denis, merci pour le coup de main. De rien. Betty, tu viens avec moi, on va boire un verre ensemble en ville. D'accord. Bon, un séjour. Au revoir, Betty. Salut, Yolande. Dis, ton petit formidable, là, il serait pas serveur au père tranquille, par hasard? Tu brûles. Betty et Denis, ça alors. Je me disais aussi toujours à m'amasser, là, les deux. Alors, c'est lui, garçon exceptionnel. Et pourquoi pas? Ah, mais parce que vous saviez, vous? À moi, elle m'avait déjà dit qu'ils se connaissaient, mais à ce point. Il fait partie de la famille maintenant. Mais oui, c'est mon beau-frère. Et c'est votre gendre, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, je crois que tout le monde est fatigué. Hein. On pourra peut-être y aller maintenant, non? En tout cas, elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. Bon, c'est quand tu veux, maman. Au revoir, chérie. Et t'en fais pas. Ça va aller. Ouais, bien sûr, ça va aller. Tu es allé là-bas, elle n'a pas voulu te parler. Voilà, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est ce que tu avais dit. À vendredi prochain, alors? À vendredi. Tu m'embrasses pas? Et t'en fais pas. Ça va aller. Tu viens, Yolo? J'arrive, deux secondes. Henri, on peut t'aider? Non, ça va aller. Je ferai ça demain. Je me lèverai plus tôt et puis je le ferai. Yolo? J'arrive, deux secondes. Yolo, allez, viens. J'arrive. Henri? Personne t'a rien
rien dit, mais... Il était très bon, ton canard. Et je m'y connais, tu sais. Ouais, il est gentil, d'ailleurs. Vraiment, il était très bon, ton canard. Et je m'y connais. Encore aujourd'hui qu'on va se mettre à chanter à Caruso, hein. Pas dit bonjour à toi. Bonjour, mon Caruso.
Comment on fait ça?